justement de tous les champs. Est-ce que les brasseries du Cameroun vont continuer à le faire dans d'autres villes du Cameroun, telles que soit la Yaoundé ou partout? Bien évidemment, à ma connaissance, il y a 7 lots de 3 millions et demi qui doivent être gagnés. À ma connaissance, nous sommes au deuxième lot, ça veut dire qu'il y a encore 5 lots à gagner. Imaginez-vous. Donc j'invite à cette occasion tous les autres consommateurs fidèles à Amstel à continuer à consommer leur Amstel. Ils auront également leur chance. Simplement que quand on est leader, il faut continuer à mouiller le maillot pour se maintenir. Vous savez de quoi je parle, nous allons continuer à mouiller le maillot. Merci, je vous remercie. Je suis déjà très fier que dans ma région, il y ait un gagnant de 3 millions et demi, c'est-à-dire le plus gros lot de cette promotion Amstel, la tradition Amstel. Et en parlant de stratégie au niveau de tout le Cameroun, je disais simplement que c'est une question de chance. Vous savez que l'une des forces dans la consommation de la bière, c'est de rester fidèle à son goût. Et quand vous êtes fidèle à votre goût, vous avez votre jour qui arrive et c'est votre jour de chance. Parlant justement de jour de chance, est-ce que les brasseries du Cameroun vont continuer à le faire dans d'autres villes du Cameroun, telles que soit la Yaoundé ou partout? Bien évidemment, à ma connaissance, il y a 7 lots de 3 millions et demi qui doivent être gagnés. À ma connaissance, nous sommes au deuxième lot, ça veut dire qu'il y a encore 5 lots à gagner. Imaginez-vous. Donc j'invite à cette occasion tous les autres consommateurs fidèles à Amstel à continuer à consommer leur Amstel. Ils auront également leur chance. Qu'est-ce que vous voulez placer du Cameroun? En parlant de ce qui fait courir les brasseries du Cameroun, je disais simplement que quand on est leader, il faut continuer à mouiller le maillot pour se maintenir. Vous savez de quoi je parle, nous allons continuer à mouiller le maillot. Merci, monsieur. Je vous remercie.